Je suis Aero 7, je suis graffeur. J'ai découvert ça en 91 quand mon prof d'art au collège m'a fait découvrir un bouquin qu'il avait acheté chez Mola qui s'appelle Subway Art. C'était la première édition sur un travail de photographie sur les métros new-yorkais. J'ai pas compris ce que c'était, pour être franc, mais en rentrant chez moi, je me suis dit qu'il fallait que je fasse la même chose. Et voilà, et ça fait 27 ans que ça dure. Je fais du graffiti avec maintenant mes propres codes, mais avec la volonté quand même initiale de vouloir laisser mon empreinte dans le milieu urbain. Donc aujourd'hui, je vais présenter mon travail sur le mur de l'école Stendhal au Chartron. Et voilà, et donc c'est un travail en noir et blanc, c'est de la cinétique. Mais ça reste toujours un travail autour des lettres, comme le veut le graffiti et voilà et comme le veut aussi mon engagement dans cet art et dans ce mode d'expression. Et puis depuis quelques années, en fait, je travaille vraiment que sur mes projets perso, quoi, en fait, essentiellement en noir et blanc. C'est entre l'illustration, le travail un peu graffiti, mais il y a une volonté de finalement trouver des sources d'inspiration dans autre chose, dans l'architecture en l'occurrence, tout le mouvement en fait, dans tout le brutalisme. Donc voilà, les constructions en béton, les trucs hyper stricts, et je crois que ça se ressent un peu derrière, quoi, voilà. En venant ici, en fait, j'ai tracé mes lettres au crayon, sous la pluie, et puis une fois que mes lettres bâtons étaient posées, j'ai habillé en faisant des trames à grands coups de scotch. Donc là, le mur, il fait à peu près 35 mètres carrés et j'ai utilisé 800 mètres de scotch de peintre. Voilà, tout est découpé après au cutter. J'ai bombé avec de la peinture noire mate sur un fond blanc. Et puis ben, quand on enlève tous les caches, on a ce résultat-là, quoi, en fait. Si je remercie Pierre-Henri Le Carroz et puis l'association Pôle Magnétique qui m'ont convié à intervenir sur ce mur, sachant qu'ils connaissent mes travaux depuis quelques années maintenant. Je les avais rencontrés avant même que, je crois, leur asso n'existe, et du coup c'est pas mal, en fait, que ça soit ouvert à des artistes internationaux, nationaux et puis aussi locaux, parce que là, du coup, en l'occurrence, c'est le cas. Voilà, donc merci à Pôle Magnétique.